vrai ou faux amoureux de Dieu. La plupart des croyants, si je vais demander cette question, est-ce que tu aimes Jésus? La plupart, même tous, ils vont me répondre, oui, j'aime Jésus. Même beaucoup des croyants qui font des t-shirts ou des chapeaux, c'est marqué, j'aime Jésus. Mais le problème, le plus important question que je vais demander, est-ce que tu gardes ces commandements? La plupart, ils vont hésiter de répondre à cette question. Ils vont changer d'avis, de dire, pour cela, tu es faux amoureux de Dieu, mon ami. Parce que l'obéissance du Seigneur, c'est réciproque avec l'amour de Dieu. Si tu veux dire, j'aime Jésus, et tu ne gardes pas ses commandements, tu es un faux amoureux de Dieu. Tu n'es pas un vrai. Pour cela, je voudrais vous lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 15 et 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Pourquoi tu ne vois pas la bénédiction du Seigneur dans ta vie? Pourquoi tu ne vois pas la présence du Seigneur dans ta vie? Parce que tu ne gardes pas ses commandements, mon ami. Pour cela, le Seigneur, il te manifeste lui-même que à ceux qu'il garde ses commandements sont des vrais amoureux de Dieu, c'est des vrais amoureux de Jésus. Pour cela, si tu veux demeurer dans son amour, il faut d'abord que tu gardes ses commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. Pour cela, mon ami, ne te fatigue pas. D'abord, garde ses commandements. Après, tu vas voir l'amour de Dieu. Tu vas demeurer en lui, lui en toi. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Alors même d'aimer les frères et les sœurs, ça vient d'abord de garder les commandements de Dieu. Pour cela, mon ami, ne te fatigue pas. Ne dis pas aux gens que j'aime Jésus. Si tu ne gardes pas ses commandements, tu es un faux amoureux de Dieu. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Pourquoi le Seigneur, il a répété ses paroles? Il a répété ses paroles parce qu'il faut qu'il soit d'abord que tu aimes le Seigneur et tu gardes ses commandements avant tout le monde. Parce que pour faire plaire ou plaisir à ton père ou ta mère, ou même tes enfants, des fois, tout casse les commandements du Seigneur. Parce que tu veux les plaisirs, tu veux aller quelque part, ils te demandent d'aller quelque part, tu ne veux pas aller. Tu casses les commandements du Seigneur pour leur faire plaisir. Pour cela, d'abord, il faut aimer le Seigneur. Après, tout le monde. Il ne faut pas casser les commandements du Seigneur pour l'amour des proches. Pour cela, Jésus il a répété plusieurs fois à Pierre de l'amour. Parce que Pierre il a pris les disciples, les a amenés pour pêcher. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Et lui dire, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Pour cela, mon ami, tu ne peux pas avoir la bénédiction du Seigneur. Tu ne peux pas avoir rempli par le Saint-Esprit si tu ne gardes pas ses commandements. Si tu vas aller au péché,
Si tu vas aller dans un autre endroit pour plaire tes désirs, tu gardes pas ses commandements. Tu es un faux amoureux de Dieu. Pour cela, Jésus il est venu pour rendre l'esprit de Pierre à lui. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes agneaux. » Alors, les prédicateurs, pasteurs, si vous voulez être les agneaux de Dieu, il faut d'abord garder ses commandements dans votre vie pour avoir la bénédiction du Seigneur. Pour cela, vous pouvez dire, « J'aime Jésus. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Elle lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » Alors le Seigneur, il sait très bien, c'est en train de garder ses commandements. Pour cela, il ne peut pas manifester lui-même à toi si tu ne gardes pas ses commandements. Et lui, il va te rendre ton âme à lui. Mais d'abord, il faut que tu écoutes et tu obéis le Seigneur. C'est lui qui veut me suivre, qui réunisse lui-même, porte sa croix et il me suive. Il faut d'abord obéir le Seigneur dans ta vie avant de dire que j'aime Jésus. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune et tu saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et l'autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre lui offrirait Dieu. Ayant ainsi parlé, lui dit, « Suis-moi !» Alors, toutes ces répétitions, tu m'aimes à Simon-Pierre, c'était ça, de le suivre, « Suis-moi !» Si tu veux être un vrai amoureux de Dieu, mon ami, il faut que tu suives le Seigneur. Il faut que tu suives jusqu'à la fin pour que tu puisses dire, J'aime Jésus. Que Dieu vous bénisse.